Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima Insem. Nous débutons une semaine patrimoine en danger et chaque jour nous allons voir un élément de notre patrimoine qui est en danger. On va commencer comme chaque lundi avec Célia et son patrimoine donc. Bonjour Luc. Ça va Célia? Oui, ça va. Prenez place. C'est notre patrimoine. Oui, exactement. Oui. Mais c'est le patrimoine que vous avez choisi, bien sûr. Hein. On commence avec un chiffre. On va commencer avec un chiffre qui est le 300. Pour 300. 300 ouvriers qui ont œuvré durant deux longues années pour ériger le château du prince Pierre-Napoléon Bonaparte en 1852. Alors, c'était le château de Toramotz, qui est un édifice... Toramotz, ouais. Il est peu connu. Ouais. C'est une imposante bâtisse qui est au cœur de la Balagne. Alors, initialement, c'était un pavillon de chasse. Et puis, le domaine va se développer sur une vingtaine d'hectares. Donc, ça, c'est à titre privé. Et puis, sur plus de 80 hectares pour une exploitation agricole. Donc, c'était un honorable domaine, quand même. Hein. Mais le propriétaire était peut-être un peu moins. On va vous expliquer pourquoi. En tout cas, le pavillon va finir, malheureusement, à l'abandon. Depuis le départ du maître, hein, donc ça fait un petit moment, et personne n'a souhaité y vivre, alors à part peut-être quelques fantômes du passé, je ne sais pas. Mais on va découvrir tout ça. Face au vent, surplombant la mer, se trouve un mystérieux château, dont les pierres sommeillent sur la commune de Calenzane, au cœur de la vallée de l'Outibéo. La vallée de l'Outibéo qui se trouve derrière nous. Donc on distingue bien la plage de l'Argenté, là, au premier plan. Un petit peu plus loin, au fond, le golfe de Galère. Et puis plus loin, la Punta Palazzo, ou dans la brume, on va dire, hein, aujourd'hui, avec le golfe de Girolata, notamment. Le château de Toramotz, en fait, se trouve un petit peu plus bas. Vous voyez une colline juste derrière nous, là, qui redescend. Et en fait, au pied, on distingue, des ruines, en fait, hein, à proximité d'un rocher. C'est le château de Toramotz, donc en effet, qui a appartenu à un prince célèbre dans la micro-région, parce que c'est peut-être le personnage le moins connu, finalement, de l'histoire de la famille impériale. Il s'agissait de Pierre-Napoléon Bonaparte. C'est vraiment très, très imposant. Juste sous cet angle particulièrement, hein, puisque là, nous sommes, sur la face qui est construite. Qui tue l'entrée un petit peu du château, mais en même temps, c'est le côté montagne. Et... Il faut imaginer que par beau temps, on a un espace ici qui est superbe. On peut facilement s'imaginer petit déjeuner dressé le matin avec les produits de la ferme et de l'exploitation agricole. Hein. Donc là, on est vraiment face montagne. Voilà, côté montagne, avec en effet toutes ces collines qui nous amèneraient comme ça vers le Marsouline. La façade avec ces trois niveaux. Trois étages. Alors ici, c'était tout ce qui était réception, évidemment, hein, au rez-de-chaussée. À l'étage, on devine une galerie qui en fait desservait les appartements privés, dont les appartements privés du prince. Et encore à l'étage, ce qu'on appelle vulgairement les chambres de bonne, hein, donc sous les combles, évidemment, l'espace qui est domestique. Il s'agissait d'un pavillon de chasse, et rapidement, le prince qui s'y plaisait a souhaité l'agrandir, et donc il y a eu un chantier qui a duré quand même près de 3 ans, de 1849 à 1852, et qui a permis en effet à ce pavillon de chasse initial de devenir un château de campagne. On n'est pas à Versailles, mais un château de nous-mêmes. Et autour, un hameau. Ouais. Ce hameau donc servait surtout aux populations qui travaillaient sur le domaine agricole, hein, puisqu'on a un vaste domaine autour de cela. Certains saccages, le prince se retournerait dans sa tombe. Ah oui, alors il ne repose pas en terre corse, hein. Il est à Versailles, mais en effet, il serait malheureux de voir peut-être l'état d'abandon de cet édifice. Il a été largement désossé, on s'est servi, hein, sur la ruine
pendant des décennies et des décennies. Et là, il y a une vue. Alors, c'est ce que je dis souvent quand je viens avec des amis. C'est la première chose qu'il faut faire quand on arrive au château, c'est de se pencher à la fenêtre, parce que la vue est exceptionnelle, vraiment. Et elle a l'avantage, justement, elle, de ne pas avoir bougé depuis 1870. C'est magnifique, Célia. C'est magnifique, c'est somptueux, vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce fantôme qui passe là, à chaque fois là? Peut-être le fantôme du prince Pierre, mais bon. Il y a une légende qui dit qu'il continue de hanter les lieux. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ah. Il y aurait eu un fantôme contemporain à son époque, peut-être un capitaine, qui sait. Mais on va peut-être laisser Olivier, notre guide, nous expliquer tout ça. Eh bien, notre guide, on va l'accueillir, mais avant cela, vous savez que vous pouvez vous aussi poser vos questions. Regardez, le thème de l'émission s'affiche, notre patrimoine en danger, les châteaux. N'hésitez pas à faire le 06 76 38 30 85, envoyer un SMS, c'est gratuit, et vous pouvez vous mettre à ma place et vous poser une question. Donc, comme vous le disiez, on va accueillir ce fameux Olivier Biancone. J'y vais tout de suite. Bienvenue Olivier, vous allez bien? Très bien Luc. Asseyez-vous, prenez place. Eh bien donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de capitaine qui enterrait les lieux de ce château alors? Oui, c'est d'ailleurs le nom du château vient de cette histoire un petit peu. Alors c'est une petite histoire qui, je dirais, a quasiment disparu aujourd'hui des mémoires. Mais en effet, encore au XIXe siècle, on pensait que le château de Toramotz a donc été hanté par la mémoire d'un capitaine, un commandant plus précisément, génois, qui occupait le site bien avant la construction du château du Prince Pierre, à l'époque où il n'y avait qu'une tour d'une belle dimension néanmoins dans cet espace, donc qui dominait complètement la plage de l'Argentée notamment, et dont les franco-turcs, au milieu du XVIe siècle, ont fait le siège. La garnison qui se trouvait là et qui résistait donc va essayer de tenir le plus longtemps possible, mais à court de munitions, au bout d'un moment, le commandant va demander à ses hommes de quitter la tour et d'aller prévenir la ville de Calvi donc de l'assaut imminent, et va à ce moment-là mettre le feu à la poudrière pour faire sauter la tour et occasionner naturellement des dégâts chez l'adversaire, mais se suicidant par la même occasion. – Commandant génois donc. Commandant génois, donc bien avant la construction du château, et lorsque le prince Pierre va commencer les travaux du pavillon de chasse puis du château, donc entre 1849 on va dire et 1852, il va naturellement s'installer sur les ruines de cette fameuse tour, et on raconte encore dans quelques ouvrages, même un petit peu plus tard, qu'il y avait que les habitants du coin, notamment les bergers, bien parlaient encore de la mémoire de ce commandant qui promenait dans les couloirs du château des heures propices. C'est pour ça que ça s'appelle Toramotz. C'est ça. Et alors le prince Pierre, qui était le septième enfant de Lucien Bonaparte, hein, c'était le neveu de Napoléon Ier, il est arrivé en Corse avec sa concubine, puisque ça n'était pas son épouse, et ils se sont installés sur la citadelle de Calvi dans un appartement, mais le climat ne convenait pas à madame. Donc ils ont décidé de partir et de s'installer à l'Outipé, ou sur les ruines justement de Toramotz, et de pavillon de chasse, il en a fait ça. Sa résidence principale. Qui c'était donc on l'a vu, le septième enfant de Lucien Bonaparte, qui était le frère de Napoléon. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce Pierre Bonaparte? Pierre Napoléon Bonaparte, né en 1815, donc quelques jours avant que Napoléon, empereur déchu, arrive sur l'île de Sainte-Hélène. Donc mauvaise passe pour la famille impériale, puisque pendant quelques décennies, là, ça va être difficile pour eux. Et le prince Pierre, eh bien, il naît en effet dans une famille prestigieuse, mais en exil à Rome, à ce moment-là, dans la province de Rome, dans une campagne d'ailleurs qui ressemble sensiblement à celle de l'Outibé. Et c'est un garçon qui, très jeune, va avoir conscience de la grandeur de son nom et qui aura le sentiment qu'il y a une revanche à prendre, naturellement, sur l'histoire, qu'on a fait une injustice au Bonaparte, et donc il va falloir œuvrer à la hauteur peut-être que de ce que Napoléon avait pu accomplir auparavant. Donc il va se passionner pour les choses de la guerre, et malheureusement, je dirais, le contexte de l'époque politique va lui interdire souvent des responsabilités qu'il aurait pu obtenir par ailleurs s'il était né quelques décennies auparavant. Et il va parcourir le monde, donc on va le trouver tour à tour, très jeune, adolescent en Colombie, auprès de Bolivar et Santander, faisant la guérilla. On va le retrouver plus tard aux États-Unis d'Amérique, près de son oncle Joseph. On le verra à Corfou, on va le voir en Angleterre. Il va résider assez longuement dans les Ardennes belges, dans la mesure où il était passionné de chasse, on peut imaginer qu'il y trouvait
de quoi se réjouir. D'ailleurs, c'est un réjouir. Pavillon de chasse qui construit. Hein, au d'ailleurs. Départ, d'ailleurs, c'est ça. Il faut penser que l'Outsébé, c'est une vallée pastorale, certes, mais c'est aussi un merveilleux domaine de chasse. Donc au départ, c'est le plaisir, justement, qu'il prend à la chasse qui va l'amener à s'établir là. Et puis finalement, c'est un homme qui est plus, je dirais, du domaine rural que de la ville. Et il aime la campagne, il aime la poésie. C'est un jouisseur, il aime les femmes, il aime la chasse, il aime la bonne table, il aime le vin. C'est un tempérament aussi. Voilà. Quand on parle par exemple de Depardieu en ce moment, eh bien, il faut imaginer que le prince Pierre, c'est un petit peu dans le même esprit. Oui. Est-ce qu'il est mort? Un poil un petit peu violent quand même. Ah ben oui. Ben, Depardieu aussi, il est violent. C'est un personnage qui est sanguin. Il meurt dans son château ou pas? Ah, pas du tout. Alors, il va... Qu'est-ce qu'il devient château justement? Alors comment ça se fait qu'il tombe en ruine là? La propriété en fait, je dirais, il envisage de la vendre en 1867. Parce que son épouse, justement, prétextait des problèmes de santé. Elle n'aimait pas trop la course, elle devait s'y ennuyer. Et puis, il faut dire qu'il courait souvent les jupons lorsqu'elle n'était pas là, et même quand elle y était. Donc, ça devait l'agacer passablement. Et puis, elle prétextait justement des problèmes de santé. Il y avait beaucoup de malaria à l'époque, etc. Donc, elle préférait la ville. Alors, au bout d'un moment, il va finir par lui céder. En 1867, donc, il commence à envisager de vendre cette propriété. Alors, il souhaite la vendre à son cousin, empereur, Napoléon III, pour en faire une ferme modèle ou une caserne de gendarmerie, un bâtiment administratif quelconque. Ça ne va pas se faire. En 1870, il y a la défaite de Sedan, donc c'est la chute du Second Empire. Les Bonaparte sont de nouveau en exil. Et naturellement, la Corse étant française à ce moment-là, le prince n'a pas d'autre choix que de quitter la Corse. Une Corse d'ailleurs dans laquelle il ne venait plus tellement. Il se réfugie de nouveau en Belgique, dans les Ardennes. Et le château de Thoramote, ça donc va être administré un temps par un de mes ancêtres lointains, je dirais. – De votre ancêtre ?– Oui, alors c'est un ancêtre… – Bravo, il a laissé tomber le château, votre ancêtre, alors, parce qu'il ne s'en est pas occupé. – Alors, il est administrateur, juste un temps, le temps qu'il y avait de certainement, je dirais, quelques fonds pour pouvoir l'administrer. Et puis ?– Ensuite, ça a été beaucoup plus difficile que cela, puisqu'en effet, le prince Pierre a été ruiné, son hôtel particulier de Paris, puisqu'il avait plusieurs propriétés, a été incendié pendant la Commune. Il a dû le démolir à ses frais car il menaçait de s'effondrer sur la voie publique. Bref, ce n'était pas le genre de personnage en plus à être économe. Et donc, la propriété va être abandonnée. Et progressivement, on peut dire que les populations environnantes vont se servir, mais tout progressivement, hein, puisque les Bonaparte conservent cette propriété néanmoins dans leur patrimoine jusqu'en 1925 tout de même. Et c'est une descendante du prince Pierre, la princesse Marie, qui était psychanalyste, disciple de Freud notamment, voilà, qui avait été incarnée il y a quelques années, je crois, dans un téléfilm par Catherine Deneuve, qui vend cette propriété à un notaire de Calenzana, donc Maître Capifali, qui avait certainement un projet, mais qui va l'abandonner, faute peut-être de moyens. Et puis aussi, il faut penser depuis, donc, c'est en ruine. Alors, et heureusement… – Totalement en ruine. Enfin, heureusement, le prestigieux pavillon, hein, il tombe complètement en ruine. Comme vous l'avez dit, ça a été pillé, rien n'a été fait. On a quelques images, hein, où on voit vraiment l'œuvre du temps. La prestigieuse galerie, elle est… Elle est remplie de tags, tout a été désossé. Ça, c'est la mode en Corse. De toute façon, de venir piquer les pierres, comme ça, on l'a vu aussi du côté du pénitencier, chez nous, à quelques encablures d'Ajaccio. Ça se fait un peu partout, hein, dès lors qu'un bâtiment est abandonné durablement, je dirais, ça va de soi, malheureusement, si j'ose dire. Les propriétaires environnants, au fur et à mesure des décennies en plus. Sauf qu'il y a, Olivier, heureusement, il existe des organismes pour lutter contre la dégradation de ces monuments historiques, hein, Célia. Oui, c'est notamment le cas de la FAGEC, qui est la Fédération des associations et des groupements pour les études corse. Alors, elle a été créée en 1970 à Corté, et elle réunit en fait une dizaine d'associations dont le but est vraiment l'étude et la valorisation du patrimoine en danger. Alors, il y aurait dû y avoir Stéphane Orsigne, qui devait venir sur le plateau avec nous pour en parler, mais il a attrapé une mauvaise grippe, mais il a quand même décidé de prendre son téléphone pour participer un petit peu à l'émission avec nous. Donc nous l'avons théoriquement par néophone, comme on est dans le jargon de la télévision. Stéphane, bonjour. Bonjour. Ah ben ça va? Oui, ça va mieux. Donc Stéphane, donc parlez-nous un petit peu de cette association, son but, on l'a vu avec Célia. Là, concrètement, est-ce que c'est un domaine dans lequel vous pouvez vous impliquer, là, ce château de Thoramote, ça? Non, là, ça dépasse un petit peu nos activités, le chantier est beaucoup trop important.
important. Et puis, on est un petit peu, au niveau de la chronologie, on est un petit peu trop loin. L'activité de la FAGEC s'est surtout concentrée sur la période médiévale, à la limite quelques tours génoises, donc du 15e, 16e siècle. Donc nous, notre activité est centrée surtout sur les châteaux, mais les châteaux forts, les châteaux médiévaux, dirigés par les grands seigneurs qui ont été très très remuants au cours du Moyen-Âge, et puis les chapelles qui étaient liées à ces châteaux, ces chapelles romanes, très importantes aussi, qui sont aussi des édifices très nombreux mais très ruinés. Et concrètement, alors qu'est-ce que vous faites? Alors, vous allez sur le terrain, vous faites des visites, vous montrez un petit peu, vous sensibilisez la population. Qu'est-ce que vous mettez un petit peu la main à la pâte? On a trois grands domaines d'activité. On a bien entendu les visites sur le terrain, des sorties découvertes sur une journée, des visites commentées sur les week-ends. Il y a aussi une activité très pratique avec une équipe technique qui consolide, qui restaure certains monuments. Alors, on les reconstruit jamais à l'identique. Au mieux, on restitue une ruine paysagère. Disons que la FAGEC intervient vraiment comme en urgence pour stabiliser les ruines. Et puis on réalise des études, études en archives, études archéologiques, et puis la publication pour qu'il reste une trace de ces travaux. La publication, c'est Cahiers Corsica, c'est ça? Voilà, c'est la collection des Cahiers Corsica. On a 235 numéros qui ont paru depuis 1971 et qui touchent à de nombreux domaines, donc l'art roman, les études archéologiques en préhistoire, en antiquité, en Moyen-Âge, bien entendu. Il y a des personnes qui se sont beaucoup adonnées au dépouillement d'archives. Il y a des gens aussi qui ont étudié pas mal la toponymie. Il y a des publications de conférences, donc quelque chose d'assez diversifié pour toucher le maximum de public et essayer vraiment de faire passer le message d'abord de connaissance, parce que les gens en Corse et ailleurs méconnaissent la qualité et l'importance de notre patrimoine. Et puis aussi, une fois que ces gens-là sont sensibilisés, ben c'est d'une certaine manière pour nous aider dans la meilleure préservation de ce patrimoine à l'avenir. Célia est venue avec des photos d'ailleurs, avant, après. On va voir un petit peu, vous faites concrètement ce que ça peut donner. Alors les travaux de consolidation, voilà, vous l'expliquez, sur vraiment tout ce qui est période médiévale. Et on a des photos justement sur San Pietro, si je ne m'abuse, et Marianne. On le voit alors, l'image, c'est assez... Enfin, ça se passe de commentaires, quoi. C'est vraiment flagrant. C'était un toit qui était en train de s'effondrer, couvert de... Là nous sommes sur la commune de Poggiodonetta, donc dans le Nebbio, et voici le bâtiment lorsqu'on a terminé les travaux de consolidation en 2009. Et puis la première photo que vous avez vue, c'était au début des années 70, avant la première intervention. Qui est-ce qui vous finance, dites-moi, vous trouvez? Évidemment, on a des fonds propres, les adhérents, puisqu'on peut adhérer à la FAGEC, mais bien entendu, ce sont des subventions publiques, du mécénat, et puis différentes prestations que nous pouvons effectuer et qui sont rémunérées. Vous avez un Facebook? Vous êtes sur Facebook. Facebook.com/slash FAGEC, c'est assez simple. Vous êtes dessus d'ailleurs, je crois. Oui. C'est pas mal. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'il est trop important le chantier de... J'allais dire le chantier d'Olivier. le bâtiment ne serait-ce qu'en surface. C'est trop cher. C'est vraiment un gros bâtiment. Oui, ça pourrait être faisable, parce que les murs sont quand même en bon état. Après, il faudrait surtout quelle serait la destination derrière d'une restauration d'un bâtiment de ce type. C'est plutôt ça la première question qu'il faudrait se poser. On va la poser à Olivier même. Comment ça se fait qu'Olivier il soit comme ça, complètement abandonné? Il n'y a jamais eu de personnes qui ont voulu en faire rien qu'un hôtel, je dirais. Oui, il y a eu des projets. Alors, il y a eu des projets un peu farfelus, je dirais, au courant du XXe siècle. On a eu notamment des idées d'y installer une clinique ou une maison de retraite ou des choses comme ça, qui auraient dénaturé un petit peu l'origine, l'essence même du site. Dans les années 70, la propriétaire a été rachetée par une société qui avait pour ambition de créer un complexe hôtelier justement, avec un projet assez conséquent, puisqu'il était question même d'aménager une sorte de marina dans la baie de Croagne, donc ça allait très loin. Finalement, le projet a été abandonné, peut-être pour des questions de rentabilité, à l'étude, et remplacé par un autre projet, d'ailleurs sur la ville de Calvi même, qui a vu le jour. Donc depuis cette date-là, en gros, mis à part des rêves, il n'y a pas eu de véritable projet concret sur le domaine. Maintenant, ce qu'on pourrait espérer, en effet, compte tenu de la dimension du site, c'est en effet peut-être une réhabilitation à vocation partiellement hôtelière, je dirais, de la résidence pour lui rendre surtout la vie. Que ça reste un espace de vie, de rencontre, d'échange. Mais au-delà de ça, il y a un merveilleux domaine qui est un domaine agricole qui fait une centaine d'hectares tout de même, en tout et pour tout.
qui pourrait en effet, dans une conjoncture difficile justement au niveau foncier, pour les agriculteurs, hein, les jeunes exploitants notamment, pour l'accession à la terre, peut-être en effet sous forme coopérative, de trouver demain une nouvelle destination. Bon, tout ceci ce sont des rêves, mais en tout cas en effet, nous sommes à 17 km quand même de Calvi, qui est quand même le point touristique le plus fréquenté, je veux dire, à peu de choses près devant Porto Vecchio. C'est un endroit stratégique. Donc on est vraiment tout près. Il y a une question d'un téléspectateur. Comment faire pour aider l'association si on est bénévole? C'est une question pour vous, Stéphane. Mais lorsqu'on est bénévole, on peut venir intervenir sur les chantiers. On est avec notre équipe technique. Hein. Tous les coups de main sont bons à prendre. Avant d'intervenir sur un monument, il faut débroussailler, il faut remuer énormément de volume de pierre quelquefois. Donc il suffit de prendre contact avec nous. Et puis en fonction de nos chantiers qui se répartissent sur toute l'île, on en fait à peu près une douzaine par an, on peut peut-être venir apporter sa petite pierre à l'édifice. Alors, il y a d'autres châteaux qui sont dans le même cas avec vous, Célia. Avant d'accueillir notre astuce qui va nous dire justement si lui, peut-être qu'il pourra intervenir sur ce château. Mais d'abord, un petit inventaire des châteaux qui sont, entre guillemets, dans la même situation. Pas forcément dans la même situation, mais en tout cas, Stéphane l'a abordé. Il y a une question d'époque. Les principaux châteaux, en tout cas ceux référencés par le gouvernement, on a Stopier, le château Fantosi, le château de Toudi, le château de Caninach et le plus connu, c'est le château de la Punta. Alors, moi, j'ai la page sous les yeux. Le site, c'est culture.gouv, culture, inventaire, patrimoine, et on retrouve tout ça. Mais le château de la Punta, par exemple, qui est le plus connu, effectivement, ce n'est pas un château médiéval. Donc, c'est pour ça que l'association, enfin, en tout cas, la FAGEC, ne peut pas intervenir dessus. Mais le château de la Punta, c'est quand même l'exemple le plus parlant d'un prestigieux domaine. Qui est en train de tomber en ruine aussi, qui a été racheté par le Conseil Général, et puis on pensait en faire quelque chose, puis finalement on n'en fait rien. Là, il est en train de. Le toit a été rénové puisqu'il y avait eu un incendie. En 78, je crois, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et le château avait été racheté quand même déjà 10 millions de francs, ce qui n'était pas une bagatelle. Et puis les travaux aussi ont coûté énormément d'argent. C'était 11 572 000 francs pour la petite anecdote, donc ça fait encore une grosse tirelire. Et en fait, en 2003, il y a une estimation qui a été faite, il faudrait débourser quand même 1 million d'euros pour rénover le bâtiment. – Alors vous savez quoi, on va peut-être demander, ça va être notre astuce du jour, si vous le voulez bien, voir si René Lotta, qu'on va accueillir tout de suite, le président de la Fondation du patrimoine, pourrait intervenir là-dessus. On l'accueille tout de suite. C'est notre astuce, elle arrive après ça. D'abord, il y a ça. D'abord, il y a le jingle. Et maintenant, je vais accueillir René Lotta, tout de suite. Bonjour. Bienvenue. Prenez place. Alors, comme je le disais, vous avez suivi l'émission dans les coulisses. Avant de vous demander si vous pourriez intervenir sur le château de la Punta et même sur le château d'Olivier, qu'est-ce que c'est que cette fondation du patrimoine? Dites-moi. C'est une fondation d'abord nationale qui a été créée par la loi. Ce n'est pas une simple association. C'est un petit peu comme les trusts anglais, mais fait par du mécénat. En fait, ce sont des chefs d'entreprise qui se sont regroupés pour faire du mécénat là où l'État n'intervenait pas. Bien entendu, au départ, vous aviez les grands mécènes comme AXA, Total, Société Générale, etc. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait 36 000 monuments en France qui étaient délabrés, que l'État ne pouvait pas intervenir. Et donc qu'il fallait trouver une autre solution. Et la solution, c'était de proposer un mécénat populaire, c'est-à-dire demander aux associations de créer et de récolter des fonds, et la fondation intervient après. Elle a deux possibilités, soit dans le domaine privé par un label. C'est une exonération fiscale, si vous voulez. Donc, vous refaites votre maison et nous intervenons par la possibilité de vous donner le label. Le label, c'est vous n'allez peut-être pas payer d'impôts pendant tant d'années, etc. On refait sa maison à condition que la maison soit ici classée historique. Pas du tout. Qu'elle soit typique. 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 On n'intervient que sur l'extérieur, bien entendu, pas l'intérieur.
Alors pour reprendre un petit peu ce que vous disiez, la Fondation, c'est vraiment un organisme privé indépendant qui va avoir pour vocation de défendre et valoriser donc le patrimoine en voie de disparition. En fait, vous, vous ciblez sur à la fois l'enjeu culturel, les enjeux économiques, mais aussi tout ce qui est historique. Tout, surtout. Ça peut être la maison type américaine, comme on dit dans le Cap Corse, comme pas forcément le château d'Olivier. Pourquoi pas forcément? Parce que vous disiez, donc, y a les maisons avec le type label sur lesquelles vous pouvez intervenir, et l'autre catégorie, c'est quoi alors? C'est l'autre catégorie, mécénat populaire, c'est-à-dire… – Mécénat populaire. – Olivier fait une association qui appelle des fonds par cotisation, et nous intervenons après. Mais à hauteur d'une somme raisonnable. On n'interviendra pas pour des sommes déraisonnables, comme j'ai entendu parler, d'un million de francs pour refaire ce château d'euros. Donc, d'où la difficulté. On voit vraiment que vous êtes des chefs d'entreprise. Effectivement, il y a un enjeu culturel, puisqu'il y a une histoire, un patrimoine à transmettre aux générations futures. Mais vous vous êtes aussi aperçu qu'il y avait un enjeu économique. Il y a une étude qui a été publiée, réalisée par l'INSEE, qui prouvait que 1,5 million d'euros de travaux réalisés sur le bâti, ça pouvait générer 45 emplois directs ou indirects. Direct ou indirect. Donc il y a aussi cette vocation-là. Il y a cette vocation aussi. Mais c'est venu plus tard. Au départ, c'était des chefs d'entreprise qui voulaient préserver des édifices, non, par principe non classés, puisque s'ils sont classés, nous n'intervenons pas, là où les propriétaires ne pouvaient pas. – Il est classé, le château Toramot, ça ?– Non. – Il n'est pas classé ?– Non. – Donc ça pourrait rentrer, en fait, effectivement, si vous faisiez un appel à une souscription, si j'ai bien compris, vous pourriez rentrer. À quelle hauteur, d'ailleurs, dans cette souscription? Vous ne disiez pas un million d'euros, bien sûr, mais… – Non, c'est, si vous voulez, on peut aller entre 20 et 30% sur la totalité de la souscription qu'ils auraient faite. – Mais si vous faites 20 à 30%, et alors je voulais dire à Stéphane, vous, il n'y a aucun moyen, même si vous rentrez à quelques pourcents, essayez de fédérer un petit peu tout ce qui est associatif, puisque c'est votre rôle. – C'est notre rôle aussi de fédérer, mais comment fédérer? En mettant plusieurs associations ensemble, et nous intervenons après. – Stéphane, vous êtes encore avec nous en ligne ou pas? Est-ce que vous connaissiez justement la fondation de M. Lotha ou pas ?– Oui, parce que nous adhérons à divers réseaux, notamment l'Union Rempart au niveau national, qui a fait des conventions avec la Fondation du patrimoine. Et puis certaines associations locales, par exemple, je pense à l'association Campagne Altiani, qui a récemment ouvert un appel de fonds auprès de la Fondation du patrimoine concernant la petite chapelle San Miguel au village. Donc on ne travaille pas directement avec la Fondation du patrimoine, mais on essaie d'encourager, quand on le peut, diriger les gens, s'ils ont cette possibilité, vers la Fondation du patrimoine. Luc, mais les deux associations ne font pas la même chose. Non. La FAGEC va vraiment sur le terrain pour consolider l'existant, de sorte à ce que, ensuite, par exemple, la Fondation du patrimoine trouve des fonds pour complètement rénover. Exactement. Ce qui est, Nous apportons et des fonds. Dans le cas particulier de la chapelle dont monsieur parlait, c'est une association qui fait appel aux dons publics et ensuite nous intervenons avec eux. Mais vous faites aussi des choses. Allez-y, pardon, je vous en prie. Sur le privé, c'est différent. Le privé, un simple privé vient nous voir, nous dit voilà, cette maison. On voit avec les architectes monuments historiques ou les monuments de France si c'est intéressant. Et là, on intervient par l'exonération fiscale, qui peut aller très, très haut. C'est-à-dire que si vous avez, mettons, pour refaire la façade, il faut 400 000 euros, nous, on peut intervenir par la défiscalisation à hauteur de jusqu'à 50-60%. D'accord. Alors, vous aidez même les particuliers. C'est les particuliers. À tout là. Point de vue dans leur démarche, parce que on peut être un peu réticent quand on a un particulier, quand on a hérité de quelque chose, mais que malheureusement on n'a pas les fonds. Vous ne donnez pas simplement un chèque. Vous aidez à monter des dossiers. On ne donne pas un chèque. Voilà. On exonère les travaux faits sur les façades extérieures, les toitures, etc. C'est-à-dire qu'une fois qu'on leur a donné à ce propriétaire un label. Il ira voir son percepteur en disant « Voilà, j'ai le label, donc on m'a labellisé à hauteur de 50 000 euros. Je vais déduire mes 50 000 euros de mes impôts que je paye. » En tant que professionnel, comment aider ces associations?
Pardon ? La vôtre, en tant que professionnel, comment on fait, puisque c'est les chefs d'entreprise. Il suffit d'entrer en contact avec vous et on dit, je veux rentrer, on donne... C'est du mécénat, on a bien compris. Vous aviez quelques chiffres, Célia, justement, sur les résultats quand même, hein, parce qu'on parle, mais il y a des chiffres assez éloquents sur les actions. Depuis que la Fondation travaille, en tout cas en Corse, il y a eu 16 000 projets qui ont été soutenus et ça représente quand même 1,2 milliard d'euros de travaux... En France, je pense. Et c'est quand même 2330 projets qui ont été... 2330 projets quand même. Ah, vous n'arrêtez pas. Sur la Corse actuellement, on a 22 projets, 13, me semble-t-il, qui avancent bien. Ça vous fait, ça vous, vous connaissiez, ça vous tient. Oui, à l'idée. Vous connaissiez aussi. Nous sommes amis avant toute chose, et puis on a l'occasion de temps en temps d'échanger à propos justement de ce patrimoine en péril, je dirais. On essaie d'échanger quelques idées, quelques contacts, puisque je suis souvent sur le terrain aussi, mais dans d'autres secteurs, donc on échange beaucoup. Mais c'est vrai que c'est absolument indispensable, hein, ce type d'action. Dans la mesure où on voit le nombre de chantiers potentiels, je dirais, d'interventions sur au niveau national, et puis en Corse, on n'en parle même pas. Hein. – Est-ce que vous les avez recensés, justement, les chantiers potentiels qu'il y a en Corse? Est-ce que c'est recensable ?– Ils sont multiples, recensables, difficiles, mais je pense que la région est en train de faire une étude là-dessus. – En fait, nos trois invités, avec Stéphane qui n'est pas là, vous êtes tous les trois interdépendants, parce que Olivier, on ne l'a pas forcément souligné, vous êtes historien et aussi guide, donc l'histoire, c'est aussi votre fonds de commerce. Stéphane, lui, va faire des études, va essayer de consolider ce patrimoine qui est déjà existant, et vous, à votre échelle, vous aidez tout le monde. – Financièrement, pour que, voilà, financièrement. Uniquement financièrement. Bien entendu, il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre dans les normes. Il y a des charges, hein, c'est évident. Mais on a un avantage, c'est que la décision est faite sur place ici. Hein, en fait, c'est... C'est vous qui vous déplacez? C'est vous qui allez voir à chaque fois? Je me déplace ou mes collaborateurs se déplacent, mais la décision, je la prends moi en matière de défiscalisation. OK. Avec l'avis, bien entendu, de l'architecte des monuments historiques qui me dit... ça vaut rien, on fera pas. Mais s'il dit ça vaut, on fera. Ok. Eh ben, au moins, c'est clair. Merci infiniment, en tout cas, monsieur Lhôte. Merci, Olivier. J'espère que ce château de Toramote, ça ira mieux. En tout cas, vous continuez d'aller avec vos amis, faire admirer la vue, vous, en attendant. Voilà. Et puis, on essaiera peut-être de sensibiliser le propriétaire actuel, justement, à cette question. Ok. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Hein. Rétablissez-vous bien avec votre grippe. Merci. Nous, on se retrouve demain pour un autre élément du patrimoine. Et nous, on se retrouve dans 5 petites minutes avec Diana Salicet. À tout de suite.